Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui je suis avec Georges Dubuis. Comment ça va mon ami Fort bien. Fort bien plus, plus que jamais. Alors les inconditionnels de Vive l'Europe ont reconnu Georges parce que c'est la deuxième fois que euh, je l'invite dans l'émission. Tu commences à devenir un, un partenaire privilégié des émissions Vive l'Europe. C'est trop, c'est trop. Trop d'honneur. Alors <laughs> l'émission porte bien son nom parce que... La première fois que j'ai fait, euh, bah, fait cet entretien avec Georges, nous étions dans le nord de la France, à Montreuil-sur-Mer. Aujourd'hui, nous sommes en Bulgarie. Alors, qu'est-ce qu'on fout en Bulgarie Qu'est-ce qui s'est passé Moi, il y a deux ans, je pars, je, je quitte Georges, il est en France. Deux ans après, je me balade en, en Bulgarie, je le rencontre par hasard. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu fous ici Ah. Euh, qu'est-ce que je fais ici je, je suis parti de France. J'en peux plus. C'est la fin, euh, c'est le commencement de quelque chose de... Euh, grâce à Eric Perrou, que je connais depuis trois ans, un youtubeur bien connu qui, qui était dans, euh, en Auvergne mm -hmm. et qui a rencontré un, un ami dans une ZAD, et ils, ont des, ils vous se barrer, puis ils sont arrivés ici. Ils sont, il voulait un bateau au départ et puis il a étudié la situation géopolitique et ouais. la Bulgarie, il y a de l'eau, il fait beau et euh, c'est intéressant, c'est naturel, on est bien. C'est vrai que souvent quand on, les gens qui ne connaissent pas l'Europe de l'Est ont on tendance à, à amalgamer un peu tous les pays qui s'y trouvent, et on a l'impression qu'il fait froid dans toute l'Europe de l'Est. Mais il ne faut pas oublier que la Bulgarie c'est un pays méditerranéen au fond quoi. Euh, presque oui, ouais. euh, ben, on n'est pas loin de la Grèce, on est à 40 km de la Turquie. Euh... C'est beau et surtout c'est la France des années 50. Mmh. C'est-à-dire que on va dans la rue, il y a les chèvres, les moutons, des ânes, euh, ouais. tout, tout est là. Ouais. Et a, tout le monde cultive. Euh, ils sont tous propriétaires après la révolution communiste. Et euh, bon, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont subi euh, beaucoup de choses et puis euh, bah, ils sont encore terriens, quoi. Ouais. Quand tu dis que tu en as eu marre de la France, euh, bon, en, dans le détail, c'est quoi Quelque chose en particulier Une atmosphère Ce qu'on sait sur l'immigration C'est oh, quoi ça euh, C'est très simple. C'est la mesquinerie catholique ouais. dans toute sa splendeur. Et ma femme, euh, entre-temps, est morte. Mm -hmm. Elle est morte d'usure, de... de sa propre usure et de sa famille qui l'a puisque la seule aventure, c'était une banquière quand même, enfin elle est née dans la banque carrément, mais physiquement, et elle a passé toute sa vie comme caissière, enfin bref, elle a fait une carrière unique, et la grande aventure de sa vie a été cet amant, et on lui a dit que c'était une pute, et que... Et puis il est mort, et puis elle, elle s'est laissée mourir dix euh, ans après avoir euh, parti à la retraite. Euh, et puis moi, je suis arrivé dans sa vie, et puis euh, enfin ce qui restait de sa vie, quoi. Et puis ça a été euh, une, longue, euh, une longue agonie. Tu, tu, on a un point commun, Georges, c'est que toi et moi, on est assez impudique dans la façon qu'on a de parler de notre vie au bout de cinq minutes. Et ça, c'est un truc qui me fait rigoler chez toi. En, en fait, c'est comme on dit, de joindre les deux bouts, c'est-à-dire euh, les deux bouts, et dans la langue des oiseaux, c'est deux bouts, et, et entre la vie privée et la vie publique. Et moi, euh, euh, en fait, j'ai toujours brisé. Enfin. Fait, quand je suis devenu entrepreneur en Angleterre, en fait, euh, j'ai joint les deux bouts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée, ta vie publique, c'est la même. Et puis, es, tu n'es plus coupable. D'accord. Tu es entier. Mm -hmm. Et l'essentiel, c'est de rester entier. Oui. Voilà. Tu, tu prends la langue des oiseaux comme Jacques Grimaud euh, ouais enfin, j'étais introduit à la chose. D'ailleurs, je passe souvent à mes amis la, la, la vidéo de Burenstina sur la souris verte. Qui est l'interview de Tepa et, ah oui, et ouais. Burenstinas, où il explique cette fameuse, une des, des contines euh, ouais. que tout le monde se raconte, que personne ne comprend, mais ça se passe. Euh, <laughs> et en fait, lui, il décrypte. Alors, en fait, grandir, c'est justement alors, la, la langue, la nation. En fait, la nation, c'est la langue. Et donc, on arrive à un moment, euh, comme dans Alice, au Pays des Merveilles, on, on arrive au fond. Et le fond c'est la vie des mots. Et, et là, on, là, on grandit vraiment, parce que c'est comme dans Alice au pays des merveilles, qu'est-ce que c'est que l'histoire C'est cette petite fille qui n'est jamais à la bonne hauteur. Ouais. Elle est soit petite ou elle soit trop grande. Et à un moment, on arrive à un point on, on d'équilibre, c'est-à-dire on joint tout. Et, et, et d'ailleurs, j'ai eu un éveil une fois où je suis tombé dans un trou, c'était ma vie. Et c'était pas mort. Au contraire, c'est toute la vie avec euh, les, le pire et le meilleur. Et on conjugue le tout et on arrive au fond du trou du lapin. Et là, c'est la grâce. Bon. On va essayer de ne pas perdre le spectateur dès le début. Je, moi, je, tu me connais, je suis très terre à terre. Je reviens aux questions de base. Ce qui m'étonne, c'est euh, quand même jusqu'à un certain âge, tu es resté en France. Et en un moment donné, tu as eu le déclic de te barrer. Euh, qu'est-ce qu a enfin, qu est-ce Est qu'il y a quelque chose qui a dépassé les bornes tu as juste suivi cette opportunité en Bulgarie enfin il y a quoi il y a eu un déclic qu'est-ce qui s'est passé en fait le ben, déclic c'est la, la, la mesquinerie de, des Français en fait ouais. et euh, bon alors il y a eu l'épisode gilets jaunes Bon je suis arrivé carrément une fois dans, dans, dans cette dans ce rond-point là avec la musique allemande dans ma voiture et j'ai tout de suite compris que là, il y avait un mur. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des résistants, ils, sont, ils vivent tous encore en 1940, ils parlent de collabos et tout ça. Et puis, euh, même la police m'a dit euh, c'est vraiment pas l'esprit gilet jaune. Donc, j'ai compris qu'il y avait un. Alors, j'ai rencontré un mec quand même dans les Gilets jaunes, euh, on est encore en contact, un infirmier psychiatrique. Ouais. Et euh, puis voilà, ça a été tout. Mais c'était quelle musique allemande aussi T'as provoqué, c'est ça Non, c'est la, la musique de la Wehrmacht. C'est juste Heidi, Heido. Euh, <laughs> euh, c'est très entraînant. C'est très. ouais je, je la passe souvent. Euh, ouais. Non, non, mais puis voilà, c'est tout. Parce que dans le coin où t'étais, les gilets jaunes, ils étaient très actifs. Euh, tu t'es dit qu'il allait y avoir une révolte contre l'État. Enfin, tu as cru un peu au début. J'ai voulu voir. Ce que c'était que la... Enfin, j'ai voulu voir, j'y ai participé, mais en fait, c'est la France en surmenage et en surendettement, c'est-à-dire des gens pris... Euh, ils voient qu'on leur pique leur fric partout et qu'ils et sont endettés, ils n'y arrivent pas. Et puis, en même temps, alors là-dedans, il y avait les vieux, ça, leur faisait... ça les faisait sortir. C'était les... les meilleurs, en fait. Mais le reste, c'était un, un résidu de... En fait, ils se prennent pour des résistants, en, en fait, comme euh, Asselineau, euh, De Gaulle, de zéro quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, tu veux dire qu'en fait, le paradigme des, des Français ne change pas. C'est toujours une vision binaire des choses, méchants, gentils. Eux incarnent toujours les, euh, les héros, euh, alors qu'en fait, souvent, ils se trompent de, de combat, de... De... Ouais, de, de sens en fait à donner au, à donner au combat en ce qu'on disait hier c'est que finalement quand on dit que l'extrême gauche a récupéré le mouvement gilet jaunes, en réalité non. sur le plan social il a toujours été de gauche comme il les... a toujours été humaniste, catholique il, il... en France on aime souffrir c'est un... en fait c'est des petits Jésus c'est vraiment un, un... c'est terrible c'est terrible ouais. parce que ma femme était catholique mais en fait, euh, sa famille euh, l'a traitée de pute parce qu'elle avait eu cet amant qui a été la seule joie de sa vie. Mmh. Et puis après, euh, c'est. Alors j'ai donc eu. Une Attends, âme... c'est drôle parce que ta première femme, elle était juive, c'est ça? Et ta deuxième femme a été catholique Oui. Que tu fais un tour des religions Qu'est-ce qui se passe La prochaine, elle sera non, musulmane C'est se <laughs> ce qu'on appelle la synchronicité, c'est une espèce d'inventaire. Ouais, ouais, ouais. Tu fais le tour du truc. Et en fait, là, c'était vraiment le tour. Euh, c'était vraiment le point final. Et Montreuil, c'est une ville euh, étriquée, c'est du vieil argent, c'est une forteresse, euh, c'est. En fait, c'est étriqué, c'est petit, c'est. Mmh. Puis alors, on a été deuxième. Je ne sais pas si j'en ai parlé. La dernière fois, on a été élu deuxième village de France, ouais. comme par hasard. Et en fait, la, 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 le clip pour présenter ce deuxième village de France où tous les Montreux disent :« On est deuxième village de France. Qu'est-ce qu'on a fait ?» Je dis :« Vous avez pas vu le clip où il a été tourné. » Ça commence avec la Madeleine de Montreuil. Et la Madeleine de Montreuil, il y a la fameuse grenouillère, ce restaurant, euh, je ne sais plus, deux, trois étoiles. Ouais. Et pour qui il a cuisiné le mec euh, bah, Il a cuisiné pour Fabius pour le COP 21. Ah. Et voilà. Et, et Stéphane Bern arrive. Et Stéphane Burn, peu, peu importe. <laughs> et, et voilà, euh, on, est, on est propulsé, deuxième village de France. Ah ouais. ouais. Oh, il faut reconnaître que c'est joli. Quand tu y vas juste dans une perspective touristique, moi, j'ai été enchanté. En plus, beau. Je, je raconte juste que la, la, la fois où je suis arrivé bah, pour t'interviewer. Euh, le village est magnifique. Euh, les petites maisons, t'es hors du temps. Tout est très coloré. Ah, Et En plus, quand j'étais arrivé, il y avait des, des voisins qui faisaient une fête avec de la cornemuse. On se serait cru... Euh, c'est comme si on était vraiment euh, vraiment du côté... C'est comme si on était en Angleterre, en fait. J'ai l'impression d'être projeté comme ça, même, en Écosse. C'est vrai qu'il y a, y a une, une influence anglaise parce qu'il y a eu des quartiers généraux pendant la guerre. Euh... C'est ça, et donc, il y a, et puis c'est pas loin l'Angleterre, donc il y a beaucoup de passages, mais en fait il y en a beaucoup qui sont repartis aussi. d'ailleurs finalement il y a plus grand chose, il y a plus peu d'anglais maintenant <laughs> qui, ouais. qui qui habitent. Mais il y a toujours du passage avec les Belges bien sûr. <laughs> et puis bon, bah, ça reste, c'est une forteresse, c'est ouais. imposant, c'est ce ouais, énorme à maintenir aussi d'ailleurs. Avant qu'on parle de, de la Bulgarie et d'autres choses, je vois quand même. Qu on parle de la fin de ton séjour à Montreuil, de ta vie à Montreuil, parce que tu as été un peu harcelé par le, par le voisinage, c'est ça, qui te voyait comme un facho. Ah bah évidemment. Ouais. C'était, j'étais, je m'exposais et en fait, euh, mais naturellement, en fait, euh, dans le dernier interview, tu disais t'as provoqué. Non, pour moi c'est c'est inné, c'est je veux dire c'est mon, mon sens de, c'est pas de la publicité, c'est euh, l'expression moi je m'exprime et euh, j'arrive très facilement en contact avec les gens euh, ouais. euh, mais bon ouais, effectivement bah j'ai eu des j'ai des ennemis mais en fait tout ça ça reste un peu dérisoire mais bon euh, j'ai passé un, un bon moment là euh, 12 ans donc à Montreuil et puis euh, et puis euh, j'ai rencontré euh, une, une charmante jeune fille euh, euh, qui est avec moi maintenant. Euh, et d'ailleurs, euh, ma, ma femme, qui le savait, dit euh, Elle va bien ta pute. Je lui dis Aussi bien que toi quand on te traitait de pute, quand tu avais cet amant. Et, et avec, malgré son AVC, elle, elle a souri. Parce que c'était ironique. Et elle le savait aussi. Je ne sais pas si raconter cette anecdote va te faire paraître sympathique aux yeux du public, qui vont se dire Mais c'est quoi cet homme ignoble qui, euh, qui ne cache pas à sa maîtresse, à sa femme qui est en train de mourir Je euh, rigole, euh, mais ce n'est pas euh, drôle euh, du euh, tout, euh, en fait. Et je, me, je me suis très bien occupé d'elle. Et puis alors, en fait, tu as des infirmières pendant trois ans, elle est restée est au lit. Vrai, hein. vrai, ouais. Et donc, euh, à la fin, ça devenait. Euh, on m'a presque accusé de l'avoir fait mourir. Parce que, mais je m'occupais, enfin, je m'occupais de ce que je pouvais m'occuper de ce qui restait d'elle, mmh. c'est-à-dire une moitié. Mais le, en fait, elle savait très bien, elle était très au fait de sa vie mmh. et elle-même souhaitait disparaître, puisque quand je l'ai rencontrée en 2007, elle me disait, euh, Déjà. bon, la nuit, euh, je partais sur les routes avec un verre dans le nez, en Déjà. espérant que un accident, euh, parce qu'elle pouvait pas se suicider, elle. Ouais. Donc, euh, mais ah, en fait. -dire pour elle, des raisons religieuses bah, On Non, parce qu'en fait, son, son moto son, son truc dans la vie, c'est c'était courage, fuyons. Ouais. Donc, c'était aussi une, une échappée. Et donc, euh, elle, elle, euh, bah, c'était le moyen qu'elle avait trouvé de disparaître. Et euh, au moment où je l'ai rencontrée, c'est-à-dire au moment où elle allait repartir à la retraite, parce que là, c'était le vide, ouais. euh, c'est une amie anglaise-juive, d'ailleurs, une voisine, qui m'a dit, tiens, viens voir, il y a quelqu'un là-bas. Ouais. Elle, est, elle est assez marrante parce que elle était en fin de carrière. Ouais. Et donc, elle était devenue assistante sociale, c'est-à-dire qu'elle faisait sauter toutes les commissions le samedi matin. Il y avait la queue dans son bureau. Mmh. Et donc, une fois, je me suis pointé, et puis elle me dit Ah, euh, oh, je ne finirai pas ma vie seule J'ai dit Ah bon Et puis, et puis elle m'avait pris pour un Anglais, alors je n'étais pas Anglais. Ouais. Et puis, euh, et, 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 euh, elle, et elle dit après euh, Ah, ça y est, je me suis vendue dire bah, euh, que je j'avoue que je ne serai je ne pourrais pas finir seul et que donc euh, je m'offre euh, ah. à celui ah. qui le demande, d'accord. Mais, mais moi j'avais rien demandé, mais 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 je le, mais en fait, Annick n'était euh, pas contre. Annick était une, une personne gentille mmh. et qui a subi euh, des outrages par rapport à. à à la peu de vie qu'elle s'est permis mmh, de, de, de mener contre la. Mmh. la euh, quand dira-t-on, en fait mmh, Mais en même temps, elle ne l'a jamais assumé. Elle a toujours, euh, quand je l'ai rencontrée, elle dit bah, j ai... Oh. Je lui bah Tiens, on va aller voir ta soeur. Ah, elle dit Non. Ah non, j'en ai peur. Je lui dis Mais Annick, à 65 ans, mmh. tu as encore peur de ta soeur Mais où est-ce qu'on est là ouais, c'est vrai. Et, et donc, euh, bon, bah, mais en fait, elle a toujours eu peur. Elle était terrorisée par sa famille. Et puis le reste. Mais en même temps, elle avait cette position de, de fille de banquier. Et puis euh, elle est née comme, avec une cuillère en argent, comme on dit. Donc elle avait tous ces complexes ridicules d'être euh, quelque part euh, un personnage. Mmh. Mais en même temps, dans la vie privée, euh, elle ne savait pas quoi faire. C'est curieux que toi qui as un esprit libre, finalement, tu aies tu es cette compagne qui avait une, une éducation très rigide. Finalement, ça correspond pas trop à ta façon d'être. Oh, écoute, tiens, j'ai un truc, là, j'ai son carnet de notes. Ouais. De... Tiens, Florence, trouve-le. Euh, il est dans le truc, là. Mais, hé, hey, va le chercher. <laughs> Mais il est dans mon carnet rouge. J'ai son carnet de notes. C'est-à-dire, c'est pas des notes, ouais. mais c'est hallucinant. En fait, on parle... Ah, il faut que... Faut... Trouve-le Le petit papier bleu Et euh, c'est sur le comportement à l'école. Il ouais. y a des tas de... Ça y est Ah, passe-le On va lire. C'est trop drôle. 1900, 1900... Ah, c'est bien, c'est un témoignage du passé, c'est intéressant, ça. 1954. Ouais. Note de quinzaine. Ouais. Institut Notre-Dame de Grâce. Alors le premier, le premier truc. Ouais. D'ocilité. Ah donc, en fait, ça, on pourrait dire, c'est le, comme le bulletin scolaire. Le bulletin de scolaire de, euh, de, de, de mon ex-compagne, Annick, c'est ça voilà. D'ocilité, application, politesse, ordre, catéchisme, lecture, calcul, écriture, chant, récitation, jeu éducatif. Ça, mais la première. Le, ouais. bah, 1954. Non, mais je veux dire, elle avait quel âge, tu vois, à peu près bah, Elle était à 48. D'accord, donc là, ouais, elle avait 6, 7, 6 ans. ans. ans ouais. bah, c'est ouais. hallucinant, ça, c'est hein une autre planète. Incroyable, et c'était il y a quoi 70 ans, quoi 80 ans, ça change vite. Ah, c'est. Un... Tu peux pas le reconnaître, ça. ça. je vais le prendre en photo pour le, voilà. vous le diffuser, parce que Mais... si, si tu le vois pas, tu ne le crois pas, en fait. Non, non, c'est hallucinant. Oui, oui, c'est très marrant. Et puis, bah ben voilà, elle est finale. Elle alors, elle est final, alors le, la synchronicité des choses, parce que là, en fait, on rentre dans le, dans le phénomène qu'est-ce qui t'arrive dans la vie Et donc, elle est morte dans une clinique privée, parce qu'elle avait une très bonne mutuelle Elle est morte avec sa sœur à deux mois d'intervalle. Et sa sœur a douze ans de plus qu'elle. Et, et les voilà qui se retrouvent dans la même clinique. Ouais. Et, et elles meurent toutes les deux. C'est fou. Hein. Alors qu'elles étaient fâchées, c'est ça Mais En fait, fâchées, c'était, f... c'était pas. F... Oui, elles étaient. Elles ne pouvaient pas s'entendre. C'était de elle, la sœur une, elle était mariée au... au receveur des postes locales, une sommité. Il est connu partout. Et c'était des. Incommunicable quoi, ces, ces deux mondes euh, similaires mmh. avec une qui a choisi un, un, une voie euh, parce qu'il avait cinq enfants cet homme mmh. il s'occupait de ses enfants mais ils, ils vivaient ensemble et ils ont ils faisaient des travaux ils ont rénové des maisons ils ont construit d'ailleurs cette maison là où ils habitaient mmh. et en fait Alain euh, cet homme est pas enterré puisque ses cendres sont dispersées dans le, dans le jardin et en fait tous les meubles sont à lui ouais. et, et puis euh, il c'était comme un fantôme dans la maison ouais. et ça a été sa grande aventure apparaître caissière mmh. mais en fait elle ne l'intéressait pas la banque elle a toujours refusé de ce qu'on appelle vendre des produits ouais. merde quoi ouais. donc elle, a, elle est restée caissière et puis en fait il pouvaient pas la virer quoi puisque ouais. elle était tellement ancienne elle faisait partie des meubles quoi ouais, ouais, ouais et donc tout ça c'est à la fois très triste mais euh, immensément éducationnel parce que tu vois la vie des autres comme on dit ouais, ouais. et c'est pas un film là c'est en vrai ouais. donc tu vois euh, toute une histoire et, et une, une, une petite histoire ouais. c'est à la fois triste mais elle était elle, elle, avait, un, elle avait toujours une ironie mais, mais jamais assumé. Alors, quand j'ai commencé à décorer la maison à l'extérieur, elle n'était pas pour. Hein. Oui, pour rappel, pour ceux qui n'ont <laughs> pas vu la première émission, en fait, euh, Georges mettait euh, les phrases euh, qui étaient importantes pour lui, qui lui passaient un peu par l'idée, par la tête, et puis même parfois des noms, des noms de... Voilà, tu écrivais Dieu donné sur le mur à Montreuil-sur-Mer, ça fait, ça fait mauvais genre. Oui, en fait, c'était... Euh, euh, comme dit le voisin, vous êtes légèrement déplacé. <laughs> plus, Vous n'avez pas tout à fait tort <laughs> Il n'a pas tout à fait tort là-dessus en fait, Mais tu d'être un vieux dégueulasse quoi. Ouais. En 2014 Il faut rappeler pour mettre dans le contexte Dieudonné est l'ennemi numéro 1 Toute l'année 2013 Valls est entré en guerre contre lui Je me souviens d'un épisode Hallucinant de, du journal Du grand journal je crois de Canal+, où Valls Se met à lire ce qui est une connerie monumentale de sa part. Il se met à lire des punchlines de Dieudonné antisémite dans son spectacle. Mm. Euh, je m'en souviens. Voilà, il dit trois quatre phrases comme ça. Il y en a. <laughs> Val, il dit, il dit, à, je ne suis plus à Deniso je ne sais plus lequel qui présentait. Il dit, mais regardez, regardez ce qu'il dit dans ses spectacles. La vérité est intrinsèquement antisémite. Mm. Vous trouvez ça bien, vous <laughs> Et voilà que Valls fait la meilleure promo possible à Dieudonné sur un plateau avec des millions de spectateurs. Et toi, tu décides de marquer Dieudonné comme ça sur ton mur En fait, j'avais mis. C'était la soirée du. Mais ça, je crois qu'on en a parlé dans la dernière. C'était la, 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 la fin de l'année. Et puis. Euh, donc, c'était 2014. Et euh, donc, le 1er janvier, j'écris ça. Mmh. Mais j'écris Dieu donné et 2014 et puis et puis là bon bah en fait la majorité des gens s'en foutent à part que en fait c'est toujours une dégradation ouais. euh, physique du mur. Ah, alors Quelques qu antifascistes les, même à montreuil sur mer Les monuments historiques euh, s'y mettent. Euh, ouais, il faut repeindre votre mur. Enfin. Puis il y a eu entre-temps les LGBT qui sont venus dessiner un drapeau de multicolore sur le mur. Ah. Et puis, et puis l'anarchiste qui... Puis, euh, puis là, cette année, en fait, bon, bah, je te vitres, disais, ouais. là, il là, y a eu pétage de vitres. Et puis là, euh, on arrive à la, gendarme, à la troisième épisode de cassage, Il y a un gendarme qui me dit, ouais. Eh bien, il y a même des gens qui disent que c'est vous qui cassez vos vitres. <laughs> j'ai dit, bah, écoutez, euh, la folie est ambiante, donc euh, ça ne m'étonne pas. C'est plausible. Est, hein. est, tout est possible. Mmh. Ouais, ouais, tout est possible. Et puis, voilà, donc j'ai mis des tôles maintenant, c'est tout ouais. tôlé. Euh, non, mais Georges, c'est un homme surprenant. Je vais le rejoindre euh, la, aussi, je me là où il habite en Bulgarie. Euh, il me dit, vas-y, suis ma bagnole. Qu'est-ce qu'il a marqué sur le cul de la bagnole Soral. Je dis, il se de ma gueule, ce con, bah, non, ou quoi. Mais je vais le changer. Je vais le changer un. Hein. J'ai promis de le changer en Poutine, hein et Ça sera plus oral. Mais bon, mais bon, euh, tout ça, c'est en fait tout ça, c'est de l'histoire, c'est phénoménal. Et euh, donc, euh, bah, tout d'un coup, euh, je vois Eric qui arrive en Bulgarie et, ouais. euh, et avec son copain Lolo qu'il a rencontré dans une ZAD à Nantes là-haut. Et puis, eh ben, ils ont un projet. Et puis hop, ils se lancent ici. Et puis, et puis j'arrive. Ouais. Et puis je dis bah tout, a, tout va bien ici, c'est un peu comme dans Mister chance il euh, y a pas y a au moins l'histoire il y en a et puis il y en a plus alors on est tranquille et puis voilà en fait oui voilà quand, quand ton, ta, ta compagne est, est décédée bah tu as, tu as pu mener ce projet à bien et venir ici. Mais quand même, la première question que j'ai envie de te poser avant de parler de la Bulgarie elle-même, mm. toi qui es très dans la communication, mm. le fait d'être catapulté dans un pays dont tu ne connais pas la langue, est-ce que tu n'as pas senti un peu une... Bah, une souffrance, un peu une solitude non. non, parce qu'ici, il y, y a des Français. Et puis, alors, bien sûr, je parle anglais, donc il y a des Anglais. Et puis, euh, l'anglais reste euh, un, 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 un langage médian. Euh, C'est assez parlé ici. Enfin, ils ont même appris le français, les Bulgares, sous le communisme. Parce que, en fait, sous le communisme, ouais. il y a eu de l'éducation. Hein. Mmh. Parce que euh, Mamad Chevaux c'était 4500 personnes. Il y a une, il y a une énorme école. Euh, mmh. C'était structuré. Hein. Ouais. Et donc. Euh, mais par contre, la campagne m'a complètement enchanté. Hein. En fait, le naturel est revenu au galop. Ouais. Parce que dans. Euh, puis l'air est bon, le, le climat est remarquable. Il y a des connards qui disent qu'il pleut ici. Alors, il y a de l'eau, mais elle est au bon endroit, elle est sous terre. Ouais. Elle déballe ouais. des montagnes, il y a de l'eau partout. C'est quand même vachement délabré, quoi. Ma... Ah. Je veux dire, là, pour, un... pour quelqu'un qui vient chercher un beau village à la française, on n'est quand ah même, même pas sur ce là, prototype, non, quoi. Là, là, on... Non, Oui, voilà. là, effectivement, là, il y a, y, a un... y a un abîme. Ouais. En fait, tout est abîmé ici. Mm. Et euh, tout est en renaissance. Tout à 40 ans, quand on dirait. Hein. Quasiment. Euh, plus. Mmh. Plus. Oui, euh, le communisme, ils sont lâchés en 89. Euh, euh, non, ça a commencé il y a un moment. Euh, mais en fait, c'était un village modèle. Oui. C'était un peu Los Angeles. De... <laughs> mais c'est un village militaire, en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a des portions de route ici. Euh, quand tu vas à Yambol, à un moment, il y a quatre voies. Ouais. Mais en fait, c'est une piste d'atterrissage. Ah. C'est-à-dire, on ferme les deux bouts. Ah, c'est le pragmatisme. C'est totalement pragmatique. Tout d'un coup, ça devient une piste d'atterrissage. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et, et ça, c'est le. Et en fait, les gens ici sont, ont des racines, c'est-à-dire la terre, et ils se démerdent. Et... Alors, ils sont un peu rustes, c'est vrai. Mmh. Mais en fait, ils sont, euh... ils sont naturels. Mmh. Pour dire que moi, moi qui connais un peu le reste de l'Europe de l'Est, les, les Bulgares ont. Un côté un peu assez méditerranéen, il euh, y a de la sympathie quand même, que tu trouves pas dans d'autres euh, pays euh, comme la Pologne. Euh. Les commerçants peuvent être sympathiques. A ils sont contents d'avoir des étrangers de façon, parce qu'ils n'en voient pas euh, beaucoup. Daniel, tu passes la frontière, ouais. ils sourient. Ouais. Et, et, tout le monde rit. Mmh. Enfin, ils sourient. Ils sont, tu sens qu'ils sont naturels, qu'ils sont à l'aise chez eux. Puis les frontières ici, on est près... Les frontières sont surveillées, hein. il y a de la police des, des frontières oui, ici euh, ça, partout. Ouais. Euh, ouais, vrai. Et euh, donc ils, ils prennent ils prennent garde, même s'il y a, euh, on va en parlait, mais une bonne femme de bulgare qui est pressentie pour être à la tête du FMI. Ouais. Euh, C'est-à-dire il y a une, mais c'est un pays sans dette, tout le monde est propriétaire, il y a de la terre, les légumes, tout ça, c'est le miel là, vaut rien il y en a il est très bon. Mm -hmm. Et euh, tout ça, il y, a des, il y a des sources naturelles. Et, et puis, il y a de l'eau surtout. Et l'eau, oui. c'est très important. Parce que Eric, en fait, avait dit ça, il voulait aller en Espagne, au Portugal. Il dit oh, l'eau, euh, il y aura un problème. Ouais. Alors qu'ici, de l'eau, il y en a. Il n'y a pas de sécheresse, parce que dans les sols, il y a de l'eau, en fait. Et oui, ça dévale des, ouais. de toutes les montagnes. On est entouré de montagnes. C'est magnifique, quoi. Tu me disais qu'en plus de la petite communauté de Français qui est en train de se créer, il y a des Anglais qui, euh, qui ont fui l'Angleterre en fait. Ah bah eux, alors eux ils sont dans le... eux ils vivent un désastre. Ouais. C'est-à-dire le pays, euh, c'est fini. Mmh. Et ils ont tiré un trait, euh, ouais. c'est un bordel. Euh... Puis, euh, le Brexit, là c'est... Ouais. En fait c'est le Royaume des Unis. C'est plutôt des, des gens de, de quelle génération 50, 60 ans euh... Euh, De mon âge en fait ouais et des gens là j'en ai rencontré un il est venu se présenter spontanément je ne connaissais ni d'Adam ni Dave on, on a fait le tour du monde hein. puis c'est des gens qui ont voyagé donc ont, qui ont vu des tas de pays puis qui, qui connaissent bien euh, qui connaissent bien qui et qui et, et pourquoi on est dans la merde et euh, de de les toute la des banksters enfin tout ça c'est c'est évident pour eux oui. puisque en fait d'ailleurs on parlait de L'autre soir, on, entre nous, on parlait de pourquoi Vincent Renoir est, ouais, est en Angleterre. Ouais. Parce que là-bas, en fait, comme c'est eux le centre de la merde, en fait, il n'y a aucune. Euh, en fait, il n'y a, a pas de loi mémorielle en Angleterre. Non. Euh, ça veut dire Ni que... en Bulgarie. Ouais. C'est le seul pays de l'Est qui n'a pas de loi mémorielle. Mmh. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de mémoire. Et. Euh... C'est entre deux mondes, c'est à la porte de la Turquie, de, de cette plaque tournante. Et ouais. Donc, ils, ils, ils ont vu beaucoup de choses et ils sont nationalistes. Ouais. Tout simplement. En fait, ils ne se posent même pas la question. Ils le sont. Mmh. Intrinsèquement, et ils adorent Poutine, bien sûr. Oui, c'est vrai, il y a une, une amitié euh, russo-bulgare, on pourrait dire. Mais c'est aussi parce que les Russes investissent beaucoup d'argent dans le tourisme, euh, ils achètent beaucoup de maisons. C'est un peu leur maison secondaire, euh, la Bulgarie. De bah, toute façon, toute la, la mer Noire, ça a été toujours leur résidence. Oui, ça, euh... ouais. vacances, <laughs> en gros, <laughs> bah, c'est le sud. Ouais. C'est le seul accès à la, à, au soleil, en fait, en bas. Ouais, c'est là. Donc il y a l'Ukraine qui est le berceau de la civilisation russe aussi. Mmh, mmh. Un sacré bordel encore. Merci à Bernard. C'est fou d'ailleurs parce que bon, c'est un peu un hors sujet, mais euh, j'ai des amis qui, qui sont allés en Crimée. Le bordel pour aller en, 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 en Crimée, maintenant c'est un truc de dingue, quoi. Tu dois y aller à partir de la Turquie ou de la Russie, euh, sinon c'est très compliqué. Tu ne peux absolument pas y aller depuis l'Ukraine. En fait, c'est cette espèce de deal au milieu de la oui, mer Noire qui est clair. inaccessible. Alors ouais. moi, de Roumanie, je peux pas y aller. Ouais, de Bulgarie, ouais. on peut pas y aller. Euh, D'Ukraine, on peut pas y aller. Enfin, c'est n'importe quoi, vraiment, euh, vraiment, fou, quoi. Alors, ouais. euh, dans dans cette ville. Euh, tu t'y es fait assez vite Parce que, quand même, Montreuil-sur-Mer, c'est un village, mais il y a quand même, on va dire, le degré de civilisation est plus élevé. Là, on, on est vraiment un peu dans un coin paumé, quoi. Tu euh, t'es tu, tu pas senti. Euh, euh, je sais pas, en fait, toi, t t as quand même été citadin une bonne partie de ta vie, quoi. Tu t'es pas senti un peu en difficulté bah, C'est-à-dire, en fait, moi, je suis né à la campagne, et puis, euh, on, on est arrivé euh, en, à Paris, enfin, dans la, dans la belle banlieue ouest. Mais en fait, c'était déjà c'était encore, encore la campagne en 1954. Mmh. Euh, en bas de la rue, on allait chercher du lait, c'était un chemin de terre. Mmh. Donc en fait, moi j'ai eu une belle enfance dans le sens où il y avait l'espace, on partait en vélo, mmh. dans les champs, dans la forêt, Saint-Cucufa, ça s'appelait, sur Versailles, là-haut. On ne se posait pas de questions. Et, 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 et ici, qu'est-ce que je retrouve ouais. bah Ça. Ouais, ouais. Tout simplement. Et tout simplement, c'est simple. Donc, la langue, les voisins, là, connaissent bien Eric, euh, euh, Gina et Yanko. Euh, là, il y a une, justement, il y a une, nouvelle, une femme qui est arrivée de La Réunion, une française, avec sa fille. La fille, met, mais l'école, c'est fini. Elle a fait son parquet, elle fait l'électricité à 12 ans, euh, elle est partie à Kianko sur son cheval, avec la charrette, et, et, et voilà. Donc c'est un espace de, de liberté pratique, c'est là, tout est là. Ouais, c'est un bois en arrière, mais c'est une respiration en fait, vers un monde qu'on ne connaît plus. Immense. Ouais, et puis l'air ici est magnifique, euh, on est au pied des. Alors, la montagne elle est pas là mais enfin il y, y a des, y a des oui, hautes euh, collines et... rien n'est bien loin en Bulgarie hein. Faut dire, euh... Moi, là, pour venir te voir je suis parti de Bucarest entre Bucarest et euh, cette ville qui est quasiment à la frontière turque donc au sud de la Bulgarie il y a 5 heures mmh. c'est que dalle, en voiture c'est rien quoi. en plus oui, il n'y a mmh. pas d'autoroute euh... on est allé se balader dans les montagnes Là, où... Alors, on a, on a vit... en dessous de Plodliv à 150 bornes il y a un monastère orthodoxe parce qu'ils sont en majorité orthodoxe et on voit la date, 1082, ouais. donc juste après le, chi, le fameux schisme romain orthodoxe, ouais. alors, et, et là, là c'est beau, mais en fait, les... les, les, les le bulgare et et, 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 est rustre, et... les villages sont, sont assez laids. Ouais. <laughs> ouais, ouais, ouais. assez communs. C'est triste, ouais. en fait. Il ouais. y, y a une... C'est triste et en même temps, il y a un je-m'en-foutisme euh, allègre. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. C'est des bons vivants, ils se contentent de pas grand-chose. Et euh, parfois, des trucs sont, des bâtiments sont laissés à l'abandon, c'est laid à mourir, mais ils ont l'air de s'en foutre, ça parle les affecter quoi. Mais oui, on voit toutes les... In... Il y a, a d'immenses infrastructures euh, soviétiques. Euh, il y a des... Enfin, tu sais, toutes les institutions ouais. ici... Il y a... Il y a, tout est planté, il y a le, mmh. la, la mairie, le, une immense école. Il y avait 4500 personnes, il y en a plus de 380 aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a, il y a, tout est là, ouais. à rénover. Mmh. Et, et Eric a très bien choisi l'endroit parce que, en fait, est, bah, tout est simple. Ouais. Est-ce que c'est. Bon, là, c'est vraiment des, des choses pratiques qui peuvent servir des gens qui voudraient s'installer également. Est-ce que c'est difficile d'acheter un appartement une maison en Bulgarie Enfin, des difficultés administratives Non. Ouais. Non. Mais il faut aller chez un notaire pour. Être, parce qu'en en fait, les titres de propriété datent encore de l'Union soviétique. D'accord. Alors, là, ça. en fait, il y a, y a beaucoup de choses à abandonner. Et puis, donc, il faut trouver les documents, comme ils disent. Euh, les titres de propriété parce qu'il y a, y, a, y a quelques <laughs> squatters, ouais. mais en fait très peu mais euh, bon c'est euh, bon moi j'ai failli me faire niquer par des anglais qui avaient une très belle maison dans un autre village où c'était 26 000 euros tout était, tout était fait ouais. Ouais, avait, les jeux sont faits euh, ouais. bon je dis bon alors ah bah ils me disent euh, bah vous vous, vous trans vous transférez l'argent en Angleterre, hein, Puis et puis voilà. Je lui dis, ah, ah bon, voilà quoi. Ah bah il dit, il faut nous faire confiance. Ah bah je lui dis, ça on peut dire qu'elle est d'un seul côté. Ah bah non. Parce que moi, euh, 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 bah, en fait, euh, oui, non. Alors, ben voilà. Sympa cette transaction, ça commence par le virement en fait. Quoi. Voilà, ça commence ouais. par le virement, puis après. Euh... Mais en fait, il y a des arnaques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des maisons euh, qui sont en vente. Mm -hmm. Alors c'est très attractif, c'est tout près. Mm -hmm. Mais en fait, euh... Alors, dit... en fait, Eric les avait rencontrés, donc c'est pour ça qu'il m'a mis en contact avec eux, et puis ça n'a jamais mené à rien. Ouais. je les re... J'ai rencontré, euh, mec, je suis agent immobilier. dit Vous me faire confiance, je suis agent immobilier. Ouais. Je lui ai dit Ah oui et alors Qu'est-ce qui me le prouve euh, Et euh, puis ouais, après non, quoi ouais. euh, C'était hein, comme une showroom. Ouais, ouais. Mais euh, après, euh, bah, j'ai dit non, non, notaire. Ouais. Ah non. Bon, bah, notaire, pas de notaire, rien. Ouais, ouais, et puis ça s'est arrêté là. Donc il faut trouver un notaire local euh, en Bulgarie qui parle anglais quand on parle pas oui, bulgare. Et puis, et puis le, le titre de propriété, on signe quelque chose, l'argent. Tu, tu fais un dépôt d'argent. Ouais. Euh, et puis euh, le notaire c'est lui qui l'enregistre et puis les, les, les... Les... la chose se fait mais ouais, devant sûr. notaire sûr, ouais. mais pas comme ça euh... ouais, ouais, ouais. balancer l'argent en Angleterre ouais. Ouais ouais, ouais 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 ça ressemble au truc qu'on a en France où un Africain te loue un appart en fait dont il n'est pas propriétaire alors tu l'appelles juste au téléphone il dit ben, bah, envoyez-moi 500 ouais. balles et c'est bon Ouais c'est ouais, ça Ouais ah ouais bon il y a ça et puis mais ici on a on avait euh, grâce à Eric, euh, ils ont fait le boulot, et puis en, en cinq mois, ils ont fait beaucoup de choses, donc j'ai acheté sa maison, ouais. et puis lui, il en a construit une, enfin, il en a construit, il en a acheté et agrandi une autre, et, euh, et puis voilà, c'est l'idée, c'est de, de, de faire que des, des Français viennent ici, quoi. D'accord, ouais. Et des Français euh, ouais, nationalistes. Qui pensent hein. comme nous, quoi. Bah, en fait, qui essayent de penser. Ouais, ouais. C'est déjà bien. Ouais. <laughs> tu penses qu'Eric serait ouvert à ce que des gens euh, le contactent, ou même par ton biais, mais afin non, de... Mais, de toute façon, il le contactent. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup... C'est énormément de travail pour eux, parce qu'ils ils sont... Ils sont en... en fait, ils vivent dans les travaux, mm -hmm. parce qu'ils ont fait un énorme travail. Dans... Et puis alors, dans la construction, il dit... Justement, ce matin, là, je suis allé le voir juste avant que tu arrives. Ils, ils avaient découvert cette, euh, cette chose pour souder des trucs euh, de plastique. Mm -hmm. Et il dit, euh, bon, on est parti à la mer, là, on revient, il y a des fuites. Et il dit, en fait, celui-là, c'est le mauvais système. On a acheté le mauvais système. Là, ça se dessoude. C'est chiant. Mais, mais c'est comme ça que tu... C'est comme la vie, en fait. Tu découvres ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mm -hmm. Et puis, ils ont fait vraiment un... un mais c'est énormément de... Et puis les, les gens qui arrivent aussi ont des attentes. Euh, ah oui. Euh, euh, c'est le Messi. Euh, enfin, ouais, on, ouais, on est toujours. C'est extrêmement On se repose toujours sur quelqu'un et pour, pour lui c'est beaucoup de responsabilités, ouais, beaucoup de temps. Dans la gueule aussi, si on n'a pas ce qu'on veut. Parce qu qu'en fait on t'a donné puis tu mords la main qui t'a donné. Ah, mais tout ça c'est ouais. l'enfer. En tout cas c'est un vrai boulot communautaire. C'est uh, félicitations à lui. Hein, c'est clair, ah, c'est ouais, ouais, difficile. De toute façon Eric c'est un, un mec solide. Il, il date pas d'hier puisqu'il était à la fédération de jeunesse du Front national. Dans les années, dans les glorieuses années 60-70. Donc lui, il vient de loin et puis et, il a été confronté à la franc-maçonnerie euh, par rapport à son père, des propriétaires, enfin tout le bordel. Quoi. Ouais. Et puis donc il, lui, il s'est barré. Et puis, euh, mais c'est un mec, euh, c'est un gros nounours, Eric. Ouais. C'est-à-dire que c'est un solitaire, et, mais en même temps, il a des, des assises, des bases euh, solides. Solide, et puis. Euh... Alors, c'était marrant parce qu'hier, je rencontre ces Anglais. Alors, Eric et Lolo, alors, il... il dit Je peux me permettre une question indiscrète ouais. Je dit Vas-y, euh... ils ne seraient pas homosexuels Alors, j'ai dit Écoute, ta question, elle est légitime d'un point de vue des apparences. C'est vrai que c'est deux mecs, il n'y a pas de bonne femme là-dedans. Mais en fait, ils sont homosensuels. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sens, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés tous les deux dans cette aventure. Et donc. Euh... Ils ont construit tous les deux des choses solides. Mmh. Et par-delà leur différence de couche, je n'en prends pas le mot classe. Hein. Euh, C'est deux mondes très différents, mais ils sont d'accord sur une chose, sur les choses pratiques, mmh. et, ils et, le, ils font, et ils font les choses. Mais ce qui est amusant, c'est que donc hier, moi, j'étais dans, dans un hôtel avec ma famille euh, à Elovo. El mmh. bon, d'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls hôtels de la ville, si ce n'est le seul. Non, il y en a deux. Il y, y, y en a, a deux. deux. Il faut les trouver. Ils sont pas toujours euh, évidents. Ouais, 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 ouais. Et euh, en fait, euh, pendant qu'on petit déjeunait, il y avait une autre femme. Et euh, au bout d'un moment, elle a compris qu'on parlait français. Elle dit :« Vous êtes français ?» Et en fait, c'est une nana qui va bientôt s'installer ici, dans, bah, dans ton attends, village. C'est comme... une nana un peu forte. Ah. Elle te connaît, hein? J'ai dit, euh, bah moi ouais, je et veux alors, voir Georges Dubuis. Ça, c'est une belle embrouille. Ah. Oui, enfin, c'est une longue histoire dans l'histoire parce que, en fait, c'est Sylvie. Mm -hmm. Ouais, je l'ai rencontrée et elle est venue avec le fils de Marie-France. Mais alors, tout ça, c'est une histoire parce que. En fait, tout ça, c'est du déménagement dans le sens large du terme, c'est-à-dire que tu te débarrasses d'une histoire. Mm -hmm. Tu tires un trait. Mais il y, y a des bagages derrière. Ouais. Et les bagages, euh, des fois, c'est. Ouais. Tu n'arrives même pas à imaginer la longueur de la. Je des disais ça comme derrière. ça. On veut Sylvie ne veut peut-être pas forcément qu'on raconte sa vie dans euh, cette vidéo. Bah, oui, mais de <laughs> toute façon, elle est, elle est déjà incluse dans l'histoire. Elle fait partie de l'histoire. Ouais. Et en fait, bah oui. Euh... Oui, oui, mais bon. En, ouais, fait... non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça amusant que la seule activité de ce, cet hôtel, c'est une, une femme. Qui vient pour visiter et pour s'installer près de chez toi, en fait. Donc, la, la communauté est vraiment en cours, quoi. Ah, oui, 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 non, mais de toute façon, ça, ça vient. Ouais, c'est super. Mais tu te rends compte, tout ça, c'est. En, en termes de temps, c'est très peu. C'est 5, 6. Non, cinq, six... non ouais. même pas. Ouais. Ils sont là depuis le euh, début de l'année. Ah, hein. euh, Eric bah oui, j'arrive même pas. D'ailleurs, le problème ici, c'est que tu n'arrives même plus à recentrer le temps. Ouais. Parce qu'il <laughs> y a tellement de choses à découvrir, à ouais. faire tous les jours. Que vraiment, tu, tu dois te poser, tu dois chercher quel jour de la semaine on est, et alors encore les mois, là, tu te dis, mais quand est-ce qu'on est arrivé ouais. Parce qu'en en fait, ça n'a plus. Ça plus ça le, le temps, il est, il est, il est dilaté. C'est vrai, il y, y a une nonchalance heureuse oh. en Bulgarie euh, qu'on ne retrouve plus en Europe de l'Ouest du tout. Ah, ça, là, c'est le jour et la nuit. Mmh. C'est ça qui est. Moi-même, je me... tu vois, on a fait. Euh, bon là on a fait 5000 bornes depuis qu'on est parti hein. ouais. donc euh, tu n'as tu, mm. tu en fait tu te tu te surprends toi-même mm. mais qu'est-ce que je fous là puis en plus je rencontre conversano qui était à la porte à côté on s'est pas vu depuis deux ans et tout d'un coup toute cette synchronicité prend place ouais. et c'est une synchronicité heureuse parce que en fait c'est ça bouge dur mm. et, et ça et ça nettoie aussi, ça nettoie parce que tu te débarrasses d'un passé. Et donc, là, il y a une femme là, magnifique, à 74 ans, Rachel, elle est venue en bus de. de... Ah, faut être motivé à ça, son âge. Et tout ça, c'est à cause, grâce à Eric, parce mm. que. Et, et, et elle, elle était menacée par une de ses enfants qui voulait la placer dans une EHPAD. C'est elle Enfin, une EHPAD. Et elle dit Non, non, il y a mon fils quand même qui m'a dit Vas-y, maman 60... Puis elle, elle, a un passé, une histoire. Mais elle est née en Uruguay. Mais, mais, mais c'est extraordinaire de rencontrer ces gens parce qu'ils ont du vécu ouais. et de l'histoire. Et tout ça, ça converge très bien. En tout cas, si, si elle a fait tout ça toute seule, le voyage en bus et tout, c'est bien la preuve qu'elle a pas besoin d'être mise sous tutelle, quoi. Si... Oui, mais d'un point de vue des enfants, c'est une folie. Oui. Enfin, de l'un d'eux. Ouais. Il y a mon garçon quand même, qui m'a supporté Donc c'est pour ça que j'ai réussi à m'échapper finalement. Ouais. Mais à quoi ça tient ouais, pas grand chose. Mais à pas grand-chose. Et cette femme, elle est extraordinairement vitale. Ouais, ouais. Et elle, elle habite une baraque. Waouh Attention là, c'est mmh. pas ici. Hein. C'est, en fait, c'est comment décrirait décrire Laurent Florence, chez Rachel euh... Sommaire. <laughs> Un sommier. Euh, ouais, austère. Il n'y euh, a pas grand chose, quoi. Une vie frugale. Il y a, a, a l'essentiel, et puis euh, bon, elle est, elle est en train de faire le jardin. Euh, il enfin, y, y a du bois pour l'hiver, il y a le poêle, il y a l'essentiel. Le, mmh. Mais sans. Ouais, ouais. Sans, sans, fiori. éclat, ouais. Ouais, sans alors, fioriture. Mais elle est, elle est. Tu sens la vitalité. Mmh. Et en fait, elle aurait, elle aurait pu être étouffée euh, bêtement dans un mouroir. Ouais. Mais c'est ah, ouais, Quand tu dis ça tient à pas grand chose, c'est ah, vrai qu'une vie parfois c'est. Et en fait c'est vraiment admirable. Mm. Parce que tu vois ce petit bout de bonne femme, elle. Ah, putain, elle... elle en jette. Hein. Mm. Et, Et ça c'est vraiment de la joie. Ouais. C'est beau. Le... Comment se prononce le nom de la ville là où on est déjà Mamarchevo. Mamarchevo mm. euh, Alors moi quand même j'ai une question, c'est est-ce que. J'ai quand même l'impression que pour les, les, les gens qui viennent d'Occident, de France ou d'Angleterre, c'est un refuge pour des personnes d'un certain âge qui en ont plein le cul. Parce que pour des gens dans la vie active de 30-40 ans qui ont des gosses, c'est quand même compliqué, non ou, euh, Comment tu vois la chose, toi Par exemple, quelqu'un de mon âge qui débarque avec sa famille, bah, regarde, où est-ce qu'on va à l'école Comment on bah, fait Regarde Cathy, elle est arrivée avec sa fille, ouais. 12 ans. Et ben. Elle va où à l'école, Cathy euh, mais, ah, oui, non, mais, oui bah, de toute façon, avec le net, maintenant, tu peux. Ouais. peux c'est ce que tu as envie de savoir. Mais en fait, elle est en train d'apprendre la vie pratique. Mm -hmm. Et là, en fait, c'est que de la joie. Hein. faut mm -hmm. la voir conduire la chariot, la ch le chariot d'Iranco, euh, <laughs> marche ouais. En fait, c'est la vie. Mm -hmm. C'est la vie, et là, il n'y a y a, y a, y a il n'y a plus la question du futur, en fait, c'est un présent permanent et on est là, on est là, on est là, on est bien là, et, et là, ça, bah, tout va bien. C'est une forme de démission euh, sereine, c'est-à-dire, en gros, on en... En fait, se met je... loin. Mais en fait, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois ce petit tableau là-haut, ça, ouais. ça résume parfaitement l'affaire. Ouais, Au revoir l'usine. Et tu Je prendrai en photo tout à l'heure. Et en fait, tu entreprends. Ouais. C'est-à-dire que bah, tu... Et c'est ça l'abîme. Entre le salariat et le reste, mm -hmm. c'est que tu décides mm -hmm. tous les jours, 24 heures sur 24. Si j'étais pas parti en Angleterre quand je suis parti en 79, j'ai découvert ce que c'est que d'entreprendre. Ouais. Je suis devenu entrepreneur. Ouais, ouais. Tu découvres ce que c'est que le prix, la valeur, toutes ces choses. Et, et Eric, c'est pareil, c'était un entrepreneur, c'était un décorateur d'intérieur. Ouais. Il, il a flambé, lui, il a flambé du fric. Hein. Il. Et, 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 et maintenant, en fait, il se. Là, il se radicalise dans le sens où il peut dire ce qu'il a envie de dire. Ouais. Bien que YouTube, il, il sac. Hein, ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en fait, c'est le. Tu décides. Il n'y a personne qui vient te faire chier. Mm -hmm. hein? C'est vrai. Et, et puis, point barre. On a l'impression un peu d'être hors du monde. Mais c'est euh, in inter temps ouais. Internet permet aujourd'hui à des projets comme ça de se faire. C'est-à-dire, à la fois, tu peux maintenir un contact avec. Euh... Avec le dit... cinéma, en gros. <laughs> j'allais dire, bizarrement, j'allais dire le contraire. Mais hein, en tout cas, tu peux. Euh, voilà, les cours par correspondance, c'est un bon exemple. Donc, tu, ta fille peut continuer, tes enfants peuvent continuer d'être scolarisés tout en ayant une vie au quotidien qui est très frugale, mais très euh, heureuse euh, mais, dans un village. L'éducation, c'est d'abord. Euh, en fait, l'école, c'est fini. Les, le, le système éducation à l'Ouest, c'est n'importe quoi. Et euh, en fait, ils il s'occupent juste de maintenir, en gros, les enfants, euh, enfin quand ils peuvent, dans les cadres. Mmh. Et puis il y a ceux qui ont un poste, et puis les autres, euh, bah, l'éducation nationale nulle, euh, produit beaucoup de déchets. Et euh, en fait, je vis maintenant avec une, avec un de ces déchets en, en reconstitution. D'accord. Elle en a bien chié, c'est sûr. Poète étrange quand même <laughs> Non tu as une ah, façon déchets, de mais... Mais <laughs> mais C'est très oui, sympa C'est hein. clair c'est terrible Parce que c'est homéopathique C'est des petites doses mais tu te rends pas compte Et puis le, tu vois le produit final hmm. ouais, et tu sais que Il bah, y a eu je sais pas 12, 12 profs qui se sont suicidés là, Récemment en France ouais, hein. Ça fait partie des professions maintenant, comme la police Où il y a des suicides réguliers en fait bah, C'est ce que j'ai dit à la police. D'ailleurs, un moment, ils avaient même un gilet jaune. Enfin, euh, il y a des gilets jaunes qui disent Suicidez-vous. Ouais. Bah, en fait, on n'a pas besoin de le dire. Ils ouais, se ils suicident. Le déjà, ouais. Ils le font déjà. Ouais. Et parce que, euh, quelque part, ces gens, comme les profs, comme les juges, enfin, comme les, comme les paysans, ils savent qu'ils font des choses pas bien. Mm -hmm. Jusqu'à temps que ça aille très mal dans leur tête et que, bah là. Euh... Puis alors, ils se suicident toujours avec leur âme de service. Hein. C'est propre. Hein. Bah, C'est plus facile. Hein. D'ailleurs, il y a eu un agriculteur récemment. Euh, J'avais vu une interview sur euh, sur YouTube qui disait Eh bien, non, je ne me suiciderai pas, mais je crois que je partirai avec d'autres. Tu, tu prends ça comme tu veux, mais c'est clair qu'il n'a pas l'intention de partir tout seul. Bah, c'est un scénario <laughs> qui évoque Welbeck dans son dernier livre, Sérotonine, en fait. Il y a une révolte de paysans, en ouais. fait, une sorte de gilet jaune, mais ouais, qui ouais, conduit ouais. au meurtre, en fait. Ouais, là, c'est un aristocrate qui est, ouais. qui est sur la fin et ouais. euh, on ne sait pas trop comment ça va finir, ouais, mais ouais. on sent qu'il a envie d'en finir, mais pas tout seul. Oui, oui, exactement. Ouais. Donc, il va, ça va être un suicide altruiste. Ouais, ouais. <laughs> Et mais il mais y a, y a, y a toute cette ambiance mortifère en France où les gens en fait se crucifient. Et, et, et ça, c'est le, le catholicisme. Et puis on pourrait parler de l'attitude de, de Ploncard à où je suis allé à faire une interview où, où là, quand on commence à. Ça, c'est comme le ma... Jésus et les chrétiens, et il y a Marx et les marxistes. Mm -hmm. Non, non, c'était pas. C'est après que ça. Non! C'était dès le départ, ouais, c'était ouais. foutu. Ouais. Moi je dis, d'ailleurs je le pose souvent, euh, Jésus c'est le plus grand émetteur de dettes d'amour au monde. Mmh. Et il s'est mmh. sacrifié, mais ça c'est la névrose euh, de l'entité, et puis euh, c'est énorme, c'est tellement énorme. Une fois je me suis posé la question, tiens l'an zéro, mais c'était comment avant ouais, oui. <laughs> Qu'est-ce qui s'est qu passé pour que tout d'un coup, cette chose, Christ ce, et alors là, là, on rentre dans toute la, la sphère. Euh, enfin, fait c'était ton quand on s'est rencontrés euh, quand tu es ouais. venu à Ville, parce que ton idée c'était la réconciliation des nations et et, et en fait, elle n'aura pas lieu. Ouais, c'est compliqué. Ah non, c'est impossible. Mission impossible parce que c'est deux mondes complètement euh, mmh. irréconciliables. C'est un malentendu mmh. total. Et donc euh, dans notre sphère euh, en France. Euh, chaque, euh, chaque paroisse a son truc et la résistance c'est moi euh, ça c'est moi et puis euh, et puis l'autre est exclu ou ouais. sur des sur des enfin, c'est la zizanie alors après euh, quand tu parles de ça on se dit effectivement il y a des comportements suicidaires il y a un étonn masochisme euh, mmh. euh, en France qui est, mmh. qui est très très effrayant mmh. d'un autre côté on pourrait dire que dans des pays comme, euh, comme la Bulgarie euh, je sais pas le spleen pourrait se traduire par le, vraiment la natalité extrêmement faible parce que même s'ils sont pauvres, c'est quand même incroyable qu'ils fassent si peu d'enfants quoi comment comment en fait les gens qui ont peur aussi d'aller dans ces pays là et d'investir ils disent mais comment la valeur immobilière peut monter alors que le pays alors, perd elle, des habitants elle ne montera pas ouais. elle restera en fait la valeur mobilière ici c'est un euro le mètre carré mmh. qui est une construction ou pas la construction ça aide si tu vas rebâtir mmh. tu rases la maison ou si c'est un seul niveau bon c'est plus facile mais il y en a à deux niveaux parce que les familles les vieux en haut les, les vieux en bas les jeunes en haut mmh. ça c'était le type de construction et en fait il n'y aura pas de il n'y aura pas d'augmentation c'est à dire en fait c'est pas euh, c'est pas un endroit euh, exploitable par des touristes. Oui alors. À part la côte, dis... ah, Varna, machin, Burgas, où là, euh, ouais. il y a de la valeur immobilière parce que c'est la enfin, mer. Sinon, ouais. Ouais. Le... Ouais, c est, c est... Quand tu dis 1 euro le mètre carré, c'est des terres non agricoles. Euh, ouais. ah non euh, non agricoles. Non agricole ouais, mmh. que tu peux, euh, mais sur laquelle tu peux construire une maison. Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui. Ouais. Donc, en fait, autrement dit, un terrain, ça coûte rien en Bulgarie, dans, dans des villages comme dans les ça. En campagne, non, ça ne vaut rien. Mm -hmm. Enfin, ça vaut, si, ça vaut 1 euro. 1 <laughs> <20 rire> euro le mètre carré. 500... C'est des parcelles de 1500 mètres, c'est 1500 euros. D'accord. Ouais. Donc, 3000 leva. Ouais. C'est tout. Point. Ou pas. Ouais. pas D'ailleurs, de... discutait... je discutais avec Eric par rapport à, justement aux Anglais qui étaient en Turquie, parce que là-bas. La Turquie, il y a eu des grosses résidences, euh, tu sais, des, des enclaves anglaises. Mmh. Et on a commencé à leur faire sentir qu'ils étaient... Ils n'étaient peut-être plus les bienvenus, quoi. Bah, et en plus, ils vivent sur eux-mêmes. Donc, ah. c'est des enclaves, tu vois. Des communautés d'anglais, ouais. ouais. C'est des ghettos anglais. Ouais, ouais. Alors, on leur dit, hum, là, il faut peut-être arrêter. Hein. Ah, ouais. euh, on commence à vous voir, ça fait oh, chier. Ouais, ça commence à se voir. Euh, c'est hein Et ils sont venus ici. C'est vraiment des choses qu'on ignore complètement, qu'il y a des enclaves d'Anglais en Turquie, quoi. Bah, c est, c est, oui, oui, oui. Enfin, les Anglais, ils sont toujours entre eux, hein. Ouais, ouais, c'est comme les autres. Ils vivent entre eux, et... Euh, mais ça, c'est des gens... Ça, c'est des gens extraordinaires. C'est-à-dire, en fait, ils ont fait le pas, et, et c'est des gens pleins de connaissances. Hein. En deux heures, on a fait le tour, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Mais eux, ils voient leur pays vraiment... De, de... D un, d un, d un une ouais, des fois je me mets à la place d'un Anglais qui a 70 ballets mais en fait il, il, il c'est plus le même pays dans lequel il est né quoi mais il y en avait un à Montreuil il refusait de parler anglais il dit non non on parle français parce que j'en ai fait le deuil oh là là. carrément c'est arrivé à ce point là c'est je... c'est le royaume des Unis et là c'est l'éclatement mais en fait tout ça c'est chapeauté par la City et puis alors le Boris Johnson lui c'est la riz... en fait c'est le clown le seul clown qu'ils auraient pu mettre en place, qui acc... un peu comme Macron ouais. en fait, on le met là, c'est lui qui a accepté le job. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, il ça va être dur. obstinément de faire se réaliser enfin ce fameux Brexit. Oui, mais ils n'en sortiront jamais. Enfin là, ils ont encore, ça fait trois ans qu'ils ont voté ouais. il y a des rallonges, des rallonges, des rallonges et des rallonges, mmh. parce qu'en fait, c'est ça a été une élection par défaut, c'est-à-dire ils l'avaient promis, on fera un référendum. Mmh. Finalement, ils l'ont fait, tout en pensant dès le départ que ça ne se ferait pas. Ouais, ouais. Qui, 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 non, non, on reste. Non. Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Le vote, c'est toujours été euh, la montée des nationalismes. C'est qu'en fait, l'enjeu déterminant du vote, ça a été l'émigration. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et alors mes enfants, qui eux sont en ville, en fait, toutes les villes étaient bien sûr euh, euh, contre le Brexit. Ouais. Donc en fait, et... les Anglais de souche, de classe populaire, ont voilà. voté. Pour le Brexit. Et euh, les bobos ouais. et les immigrés ouais. ont voté contre. Voilà. Ouais. Et ça a, été, alors ça a été vécu vraiment comme une catastrophe. Mm -hmm. Et en même temps, après ça, ils savent pas quoi faire. Mm -hmm. Parce qu'il y a tous les problèmes régionaux, l'Écosse qui va. Et l'Irlande. Ouais. Et l'Irlande qui revient en force. Et tout ça, c'est des histoires qui, qui ne se terminent jamais. Mm. Malgré la puissance de la City qui. Elle, bien sûr, euh, était, contre, euh, euh, était contre le Brexit, mais euh, bah voilà, ils sont dans un no man's land, mm -hmm. ils sont perdus. Ouais. Et en fait, les Bulgares aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la population qui ne se plaint pas, mais qui dit euh, oh, on aimerait gagner un peu plus d'argent. Puis l'autre qui dit non, oh, en fait. Euh... Non, mais ça va. Bon, puis, a... Quand tu es propriétaire, après, tu t as moins d'angoisse, quoi. Ah, déjà. Ouais. C'est une garantie. Hein. Mmh. Tu as un toit, tu es tranquille. Il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Après, c'est le superflu. Mmh. Et là, bah, on tombe comme chez nous, dans le cinéma, n'importe quoi. Mais ils, ils mangent d'ailleurs. On voit dans les. Je vais dans les supermarchés et, et on voit le, ce qu'ils mangent. Alors, ils ont des choses extrêmement bonnes, extrême, c'est comme chez nous. C'est régional, il y a des produits, tu vois, il y a des super faillots là, du ah côté ouais. de claude Mais vrai. ici, tu ah n'as jamais vu la couleur, tu même pas que c'est. Ici, ils ont des. C'est très localisé en fait. Les... C'est les... Bah, les paysans. Hein. Mmh. Euh, chez nous, c'est pareil. Hein. Bon, on a ouais. 365 fromages et plus. Et c'est plein de coins. Mmh. Chacun fait son truc. Puis, alors ici, on abordera le problème de la gnole. Ouais. Alors là, l'agneau, le mec, euh, ça te fait pousser les cheveux. Hein. <laughs> ouais, tu m'as fait goûter hier. Mais, bah, oui, non, mais celle-là, je la trouve douce. Ouais. Mais il y en a toutes sortes. Ouais. Mais ils ont encore le, justement le, le pouvoir de le faire. Oui, rappelez-vous, la fin des euh, les bronzés font du ski. Voilà, c'est ça, quoi. C'est quand tu goûtes l'agneau et ça les tue quasiment sur, euh, sur le coup. Ah ouais, <laughs> dit dans, dans un village, il y a 50 personnes qui sont mortes. Ils avaient dépassé la dose. Ça ressemble non, à enfin la, la dose. Urbaine, mais ça veut dire beaucoup quand même. En sur... fait la dose, c'est qu'en fait le, le degré d'alcool était tellement fort, l'éthanol. Euh, D'accord. Ouais. Et là ils étaient, ils ouais, ont grillés. Il y avait un pourcentage d'alcool qui était mortel. En euh, ouais, mais mais ils, sa, ils savent pas. Ouais. Ils mesurent c'est euh, au pif. Oui parce que dans chaque village ils produisent leur quoi. Comment ça s'appelle déjà euh, rakia. Rakia c'est ça. Ouais. Ah moi j'ai la, la rakia pour déglacer les. les, les les, les poils, quand j'ai ouais. fini de cuisiner, hop, un coup de rakia, bon, ça va. mais si, D'ailleurs, ça, ça parfume toute la maison. Ça utilise tout, en fait, comme parfum, quand vous avez un mal aux dents. Euh... Bah, D'ailleurs, un ami <laughs> m'avait envoyé une, une, une vidéo, on voyait un, un Français du terroir qui dit Bon, alors, un petit coup de gnol le matin, à 8 heures, hein, un de ouais. café, et puis il dit dans la journée, bah, un petit coup de temps en temps. Et puis, quand on a mal aux articulations, eh ben, on se frotte et ça fait disparaître. <laughs> et, et, mais moi, moi j'ai été surpris parce que mon, mon oncle, je me rappelle, dans les campagnes en Seine-et-Marne, c'était toujours un rituel. Ouais. On allait pour, voir, pour avoir de l'eau de vie de prune, qu'il mmh. faisait lui-même à, à l'alambic. Et c'était toujours un cérémonial parce qu'il euh, faisait semblant de ne pas en avoir. Ouais. Parce qu'en fait, les paysans, mon père m'a dit un jour, il dit les paysans, c'est pas qu'ils sont pas généreux, mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est qu'on leur fasse un cadeau en retour. D'accord, ils aiment pas recevoir, c'est ça Non. Il y a des gens comme ça. Et en là... fait, ils sont en total contrôle et ça les fait chier d'échanger. Mmh. Enfin, pour eux, c'est un embarrassement. Je comprends. Parce que et là, tiens un truc ici, les fleurs. Mmh. Si t'offres des fleurs, jamais. Ah ouais Pourtant, c'est le pays de la tu... rose. C'est ça qui est bizarre. Ah. Tu vois ça près des cimetières, il y a mmh. des fleuristes, mais c'est offrir un bouquet, c'est la mort. En fait, c'est pour les morts okay, okay. et personne d'autre. Donc pas de fleurs. Merde, ni tu arrives à tu arrives à t'en évoquer une gonzesse qui amène une fleur, ben c'est qui ce t'arrête quoi Catastrophe, c'est c'est un mauvais signe. Ouais. Et, et d'ailleurs en Vendée, euh, c'est pareil. En, alors, en Vendée, pays euh, région très conservatrice. Euh, c'est l'histoire de si tu reçois ah ouais ah, je sais plus tu reçois quelqu'un et euh, en fait faudra... ça veut dire qu'il reviendra plus enfin il y, y, y a un truc et en fait c'est la qui nous échappe quoi en fait c'est la difficulté de l'échange oui. bah, déjà au niveau de la communication les plus... les bulgares les plus âgés il y a ce truc où en fait le oui et le non est inversé Incroyable, oui, il y a ça, y a ça as aussi. Vu ça ouais. Moi, à Yambol, euh, je suis allé dans un, euh, dans un, y a dans un, un magasin... Kipoko. Un quiproco. <laughs> dans un magasin, mais ça, je crois, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est tellement surprenant, retenez-le bien. Euh, J'étais dans la ville de Yambol, euh, je voulais acheter un cadeau à ma fille, et donc euh, je, je montre le cadeau à, à, la, à, la, à, la, comment dire, à la marchande, quoi, celle qui tenait la boutique, et, et ouais. je lui dis, je veux ça. Ouais. Elle me dit ça, et je fais, oui. Et elle me regarde, elle me dit, ok, et elle repart. <laughs> mais je lui ai dit oui en fait. Quoi. Et en fait, ça, c'est non. Et ça, ouais. c'est oui. <laughs> J'ai vu ça à aussi. Il ouais. y, y a une confusion du... De... C'est extraordinaire. C'est incroyable. Oui. Ah oui, là, t'es es perdu. Euh, ouais, Comment ça peut être le contraire Comment culturellement ça a pu se construire C'est fascinant, ces conneries. C'est ambigu. Ouais. C'est l'ambiguïté. C'est bizarre. Ouais, mais les gens n'ont pas l'air malheureux, mais tu n'as pas répondu sur la natalité. Comment t'expliques que les Bulgares... Qui sont tous propriétaires. Il y avait des très belles femmes, etc. Comment ça se fait qu'il y ait si peu d'enfants Parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ouais. sont expatriés. Ouais, ça. Mais enfin, ils sont expatriés. Bon, L'exemple de la voisine. Mm -hmm. Sa fille est à Lille. Ouais. Alors, elle n'est pas mariée. Elle est, elle travaille. Elle gagne bien sa vie, comme on dit. Enfin. Oui, elle gagne bien sa vie, mais en fait, la seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est se convertir à l'islam. Voilà. <laughs> bah, en fait, c'est une assurance. Une Bulgare expatriée en France. Oui. Eh ben, bravo. Ouais, voilà bah... ce que fait la France aux... Non, aux autres Européens. Non, mais en fait, euh, alors elle revient ici, mais elle est toujours entre deux mondes. Mmh. Et elle a la nostalgie d'ici. Et alors, tu vois le truc. Alors, elle fume des cigares. Les gens fument beaucoup ici. C'est plus cher, un paquet de cigarettes, c'est ouais, 2,50 euros. 2, 2, ans. Même moi, je fume ici, alors que je ne suis pas fumeur. C'est ouais. tellement pas cher que tu, tu voilà, le prends. Voilà. <laughs> et, et alors, elle fume, mais pas devant ses parents. Elle va, mm. elle tourne le pignon, elle va fumer. Et alors, je lui dis Mais ils savent que tu fumes. Elle dit Oui, mais je ne fume pas devant eux. Oui. Alors, c'est ce fameux respect. Effectivement, oui. Il reste encore des codes. Par exemple, en Roumanie, de la même manière, je, je me baladais avec la, la compagne d'un ami. Et à un moment donné, elle me dit Est-ce qu'on peut s'arrêter Parce que je voudrais fumer. Et je ne voyais pas le lien, en fait. Pourquoi il faudrait s'arrêter pour fumer Elle me dit Parce qu'une femme ne fume pas en marchant. C'est ouais. très laid. Ben, J'ai <laughs> rencontré ça dans les années 80, quand je suis arrivé en Angleterre. Ouais. Tu as vu cette femme qui fume dans la rue Il parlait presque d'une pute. Ah oui. J'ai dit, ah ouais. bon 20 ans plus tard, elle dégueulait dans la rue après les appis à or, tu sais. Pourquoi les... les choses ont bien, pas Oh là, très vite. Oh là ouais, ouais, En ouais. 20 ans, mais ça a été effrayant. En fait, il y a euh, les années Thatcher, mm -hmm. c'était la, 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 la grève des mineurs, les années Thatcher, et là, il y a eu un gabegime. Mais... Mm. Et, et tu voyais les, les, les filles vomir dans la rue, tu vois, euh, péter, tu vois. Hein. Ouais, ouais et là il y a eu un, une déglaciation euh, immense. ceci dit les choses peuvent aller vite dans un sens et aussi euh... revenir vite dans l'autre parce que par exemple oui. après la libération sexuelle des années 60-70, on est revenu à une, une je veux dire à un échange sexuel un peu plus basique, un peu moins euh, libre malgré tout. Bon à cause du sida, à cause de plein de choses donc le alors... curseur il peut évoluer quoi. Oui mais euh, je veux dire ta question des enfants, c'est ouais. qu'en fait euh, y, y, il y a la curiosité, ils vont voir ailleurs, ouais. ils vont découvrir notre monde et, et en fait ici il y a une modernité euh, dans les grandes villes comme mm -hmm. Burgas, tout ouais, ça, c'est très westernized, mm -hmm. c'est le rêve américain et, et il est ouais. toujours là, ouais, ouais, ouais. en fait c'est le rêve de consommation mais j'ai rencontré ça en Allemagne de l'Est quand j'étais en 76, c'était pareil... On, on emmenait les filles, on voulait acheter des bas, du dentifrice, des conneries comme ça. Mm. Et parce que c'est c'est nouveau. Mm. Et ça, ce phénomène de nouveauté, d'innovation, il est partout. En fait, c'est un, un rêve mm. qui oui. se transforme rapidement en cauchemar. Mm. Mais, mais, mais c'est on pourrait dire que c'est nécessaire parce que euh, effectivement, il y aura un retour. Un des secrets du marketing, c'est euh, le mot « nouveau ». En fait, si vous mettez « nouveau » dans votre slogan, euh, vous avez deux fois plus de chances de vendre votre produit. C'est euh, psychologiquement, en fait, le, le consommateur va marquer « nouveau »,« nouveauté euh, ». Il achète, il sait même pas pourquoi, mais c'est nouveau, en fait. Mais en fait, c'est comme les médicaments. Ouais. Euh, avant, il euh, y avait l'agnol, le synthol, des trucs. Il y avait que ça dans la pharmacie, il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, il y a eu toutes ces nouveautés. Et puis alors on s'est examiné, on a toujours un problème. Euh, mmh. La psychologie est arrivée, alors là, c'est... Ah bah, Il y a toujours une source. In c'est infini. Ouais, ouais. On a, là, c'est la... En fait, les, les gens sont contraints de s'examiner en permanence. Mmh. Et, 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 et ça tourne en rond. Mmh. Et bah, puis... quand tu cherches, tu trouves toujours quelque chose hein, qui ne va pas, euh, c'est sûr. Hein. C'est l'histoire de Knock. Hein. Ouais. Dr Knock, c'est... Euh, avec Louis Jouvet, euh, c'est... C'est magnifique. Mmh. Quoi, votre. Euh, il reprend un cabinet médical Il n'y a personne ici. Bon, eh bien, j'arrive, je vais faire des consultations gratuites pour commencer. Et puis, et puis là. Tout à coup, tout le monde est malade. Tout le village devient. Euh, C'est trouver quelque chose. Ils ne parlent que de maladie. Ouais, vrai. Et, ça, et en fait, ils sont tous contents parce qu'ils parlent de leurs petites souffrances. Ouais, ouais. Ils ont quelque chose. D'ailleurs, ma mère, quand elle était euh, dans la campagne en Dordogne, par le médecin, elle savait. Qui était quoi, c'est-à-dire malade ouais, c'était voilà, l'occupation de, de, de parler des, points, des, ouais. des maladies. Ouais. Ah il a ça, ah ça, ouais. Ah, ouais. Tiens, en parlant de ça, à propos de pour en venir à la Bulgarie, alors je, je suppose qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, pour comprendre en profondeur une culture. Il y a ce truc bizarre dont on parlait hier soir en dînant, ces photos de morts partout. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, la mort est très présente en Bulgarie. Ah, Quand ouais. quelqu'un meurt dans une famille, eh ben, par exemple, euh, de, voilà, de, sur le réverbère qui est devant votre maison, vous affichez sa photo avec marqué, je crois, sa vie, puis, les dates de. Dans, dans, à, où Vous êtes à Elovo, il y a, ah, il y a partout, des hein, placards hein, entiers. Non, mais là, il y a toute la panne. Ouais. Tous ceux qui sont morts récemment, ils sont non, tous mais... affichés sur un mur. Enfin, ah, non, sur n'importe où. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. non, non plus. Euh, alors, ça, même dans les grandes villes, hein, j'ai vu ça à Varna, ah, j'ai vu ça à Veliko-Tarnovo. Euh, en fait, c'est un le grand musée à ciel ouvert des morts de la ville. En fait, les morts sont présents parmi les vivants. Ça m'a fait penser finalement à, à ce qu'on faisait autrefois dans les dans les tribus. Il, il y a des centaines, même des quelques milliers d'années à échelle humaine. C'est-à-dire qu'en fait, les, les morts sont toujours présents euh, parmi bah, ah. les gens. En fait, cette présence des morts, là, elle, elle est ouverte, elle est, est publique. Ouais, ouais. C'est-à-dire, elle est publiée mmh. et euh, c'est. Bon, Curieux, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas gênant, c'est une autre manière de. En fait, ils célèbrent les morts ouais, parmi les vivants. Et euh, mais de toute façon, les morts sont parmi nous toujours. Enfin, ça c'est toute la mémoire de, de, de ton histoire et, et euh, c'est celle aussi tu, que tu dois faire face. C'est-à-dire que ta petite histoire, petite tâche, ça fait partie de la grande histoire. Et à un moment, tu joins les deux bouts. Ouais. C'est-à-dire que tu fais la connexion... Euh, en fait, c'était peu de choses, leur vie. Mmh. D'ailleurs, ils le disent. Oh, mais c'est tellement peu de choses, la vie. Ah bah oui, euh, pour, pour beaucoup de gens, en fait, il ne se passe rien dans leur vie. Mmh, il se passe, en fait, une histoire d'amour, euh, un job, et puis à part ça... Euh... Après, on attend, on laisse filer le temps, quoi. Alors, en fait, euh, c'est une reconnaissance mutuelle de... En fait, c'est une, ré... une méprise, et méprise, en fait, c'est se méprendre, et c'est l'ignorance, et tout ça, et, et tout ça ça, ça, ça termine dans des histoires pathétiques. C'est-à-dire, euh, avec Annie, j'ai connu toute sa vie, euh, j'ai connu la vie de mes parents, mais la vie de ses parents, on la connaît jamais complètement. Ouais. parce que euh, les proches sont tellement proches qu'on prend beaucoup de choses qu'on croit savoir, mais en fait, on, le diable est dans, étant dans les détails, il y a des... Il y, a des, il y a des incidents qui sont... Ouais, euh, toujours un peu... Euh, un peu bah oui, c'est la honte. D'ailleurs, ça rejoint pourquoi, en fait, en 1976, quand j'ai lu ce bouquin de Voyez euh, la nature et les causes de la misère des gens, la question centrale, c'était pourquoi les gens n'ont rien à dire dans les rues mmh. Et la réponse, elle était parce qu'ils sont préoccupés. En fait, ils ne sont pas entiers, ils ne peuvent pas parler. Voilà, mmh. toute l'affaire. Ça se résume à ça. Et quand tu grandis, éventuellement, c'est-à-dire grandir, s'élever, s'élever, c'est que tu prends la distance par rapport à ça au lieu d'être noyé par le on, le gros con, le social en fait, euh... ce qu'on appelle. Et, et là, tu te dis effectivement, les gens on, on, on ne peuvent pas s'exprimer. Elle euh, Sort là. Mais, le chien tremble un peu. Il a froid Non, non. Et il tremble de joie parce ah, qu'il a que bon. sa balle. Okay. <laughs> Allez Faustine, sors avec Florence Allez vas-y, Voilà, va t'amuser dehors voilà. Euh, Et voilà on, on en est là Et, et, et en fait la, la puissance des sociétés anonymes Qui sont vraiment anonymes mm -hmm. C'est à dire L'atomisation Est énorme ouais. Toi qui t'appelles euh, bon, Je saute un peu du coca là, Mais toi qui t'appelles Georges Dubuis Non un je ne m'appelle pas je m'appelle vraiment Ouais, mais en tout cas, <laughs> on m'appelle, on, on t'appelle. Voilà. Bah, c'est comme en, en Russie si on dit ça. Euh, la langue russe est très intéressante. Euh, on ne dit pas je m'appelle Natalia, on dit on m'appelle Natalia. Ah. Euh, ma c'est ah, très ça, intéressant. Ouais. Euh, par pas, exemple, ça. pour dire euh, je sais pas, j'ai un chien. Tu dis ouais. pas j'ai un chien. Tu dis chez moi il y a un chien. Ah, c'est beaucoup plus juste. C'est joli en même temps. Ah, c'est juste. C'est. Oui, c'est Enfin, ouais, en même temps, c'est pas de confusion entre l'extérieur et, 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 et l'intérieur. Ouais ouais, 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 Je ne m'appelle pas. D'ailleurs, dans les enfants du paradis, Garance dit la même chose. Ouais. Je ne m'appelle pas Garance. Ouais. On m'appelle Garance. On bah, c'est ça. tu ouais. <laughs> Du russe. Oui, parce que, involontaire. En fait, on ne s'appelle pas. Ouais. En fait, on peut. En fait, la discussion interne dans le cerveau on peut se questionner mmh. c'est à dire en fait on questionne la réflexion entre le, entre l'action et la réalité de cette action on peut se traiter de con c'est facile on dit mais qu'est-ce que je suis con parce que tu peux faire des erreurs ouais. et en fait tu apprends de ces erreurs parce, et puis il y a des autres qui te disent ouais aurais pu faire comme ça et je dis oui ça c'est juste mais, mais ça c'est tout le dialogue interne et externe et en fait, c'est pour ça que je n'ai pas, pas de limite, euh, rien ne me dérange. Mmh. Ouais. Du moment que tout est clair. Parce que le bonheur, et le bonheur là, dans la lande des oiseaux, c'est le temps où tu peux nommer les choses. Camus a dit ça très, très mauvaisement, il n'a pas dit pareil. Mais en fait, le bonheur, c'est de pouvoir nommer les choses. Ça fait bing là-haut, parce que ça reflète entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, tout va bien. Ouais. Là, c'est un moment de bonheur parce que tu peux mmh. enfin exprimer. Et en fait, ce n'est pas de la provocation. Alors, il y en a qui appellent ça liberté, mais en fait, c'est la réalité qui devient... Et c'est toujours mmh. la rationalité. Mmh. Et là, nous rentrons, bien sûr, dans national-socialisme. National-réalisme, on pourrait dire. Parce que c'est que ça. C'est mmh. que ça mais tout le reste c'est lourd. Moi ce que je te disais c'est que tu... on t'appelle Georges Dubuis c'est un, un nom un prénom oh, très français. Ramené, mais... Il revient ouais, tout seul ça. parce qu'il t'aime. Euh, hein? Elle t'aime, elle t'aime alors toi Elle aime pas. Et euh... non, elle ne m'aime pas. Elle aime jouer. Elle aime jouer avec toi, voilà. Non, bah, elle aime non, elle aime jouer tout court. Oui. Elle va revenir, c'est pas grave. Est-ce que tu vois le, le, le fait d'être parti de France comme un renoncement, quand même comme une, euh, ah comme une sorte de défaite Est-ce que tu le ressens comme ça non. Certains le ressentent comme ça, l'expasse créationnelle. Oui, non, mais on peut leur faire sentir ça aussi en disant que c'est des, des traîtres. Ouais. Non. non, non, pas du tout, parce que la, 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 la nation, la langue, s'est construite. Et, et là, euh, d'un côté, il y a la tour de Babel, et puis il y a ceux, il y a ceux qui cherchent du sens. Et euh, là, on, là on, a, on a des assises très fortes avec des gens qui cherchent à comprendre, qui trouvent. Et euh, là, il y a. En fait, on est parmi nous. Ouais. On n'a on pas de. Non, il n'y a pas de nostalgie. Là, je dois rentrer en France, c'est le cas, je dois. Enfin, je dois. Relativement, je dois, parce qu'il y a des affaires à régler. Bon, j'ai vendu ma maison avec euh, l'autre. Tout ça, c'est fait. Donc, puis il y a encore la maison que j'occupe euh, puisqu'on m'a donné l'autorisation jusqu'au mois d'avril euh, de l'année prochaine. Et puis donc il y a ça, tout ça à, à évacuer, Et puis les objets, enfin à trier. En fait, c'est du tri, tout ça, c'est de l'intelligence. C'est pénible hein, parce que je, je fait un déménagement là, très drôle, le déménagement. Euh, avec ce camion, avec une Anglaise qui conduisait. Euh, ces deux Anglais qui habitent près de Ruse, là-haut, en Bulgarie. Et euh, je dis à son, à son mec, à Stuart, je dit Dis donc, euh, elle arrive, elle repart Elle n'a pas besoin de repos Alors, il me dit Non, c'est une machine. Je lui dis Bon. Bah, je lui dis quand même à Gillian Je lui dis Non, non, bah écoute, tu vas rester là, on va manger, et puis on partira demain matin et puis on a fait 30 heures sans à part des arrêts euh, essence euh, on n'a rien mangé on a mangé une banane je crois mais en fait on parlait de la, la vie en Angleterre et comme je parle bien je, je comprends très bien enfin j'ai distillé l'anglais pendant 25 ans donc je sais l'essentiel de ce langage euh, la manière dont ils abordent les choses et toutes, toutes ces subtilités de la langue et on a passé un voyage, euh, on peut dire, merveilleux. D'ailleurs, je me disais au matin, en sortant de Roumanie, oh, qu'est-ce que je vais être fatigué en arrivant Même pas. Hmm. J'ai dû dormir deux fois une demi-heure. Hmm. Et, et, et parce qu'en fait, c'est l'esprit euh, pratique... Où veux-tu en venir, en fait, en disant ça et, hein? Où veux-tu en venir en parlant de ça bah, En fait, c'est toute l'histoire de l'esprit. C'est lui qui te porte, et en fait, la fatigue, la bouffe, la, toutes les choses euh, qu'on doit théoriquement faire n'existent plus. Mmh. Et le temps, euh, bah, les 30 heures, on ne les a pas vues passer. Hein. Ouais. Mais c'était quand même 30 heures. Mais en fait, c'est ridicule. Je pense à ça comme un, un, un vraiment un très bon moment. Mmh. Mais un moment, un, un, un moment en plus très lourd parce que tu, tu charges, enfin tu charges, tu décharges, c'est-à-dire tu remplis un camion avec des choses que tu dois juger euh, essentiel euh, à, à te séparer ou à garder et tout ça, et c'est un peu fatigant, mais en fait, le voyage lui-même s'est très bien passé. Et puis, on a fait ça vraiment d'une allégresse. Bah c'est parti. Déjà, que tu fais pas ton âge, tu vas nous faire encore de belles années en Bulgarie. Voilà quoi. Tiens, petite anecdote j'ai une amie Anna Mancini. Euh et elle a, elle dit elle a l'intention modestement de vivre 130 ans. Alors c'est une spiritualiste, elle fait du coaching, elle vit de coaching spirituel dans les entreprises, tu vois, elle fait des séminaires Je ouais. euh, pour euh... je sais pas si on peut vivre vraiment 130 ans parce non, que non, mais... Tu sais, non, mais récemment, la, 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 la vieille qui avait vécu jusqu'à 120 ans, on s'est rendu compte qu'elle avait un peu menti. Apparemment, Jeanne Calment aurait menti Jeanne son Calman. âge de naissance. Elle avait plutôt 100 ans que 120. Oui, mais les femmes mentent toujours sur leur date de naissance. C'est vrai. Parce qu'elles ne veulent jamais vieillir. Et d'ailleurs, ça, ça nous amène à une autre chose. Qui, 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 qui... Quand tu vois en France, je regardais les, les mecs, disons, dans la allez, middle age, 40, 50 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Alors, pour les femmes, on dirait des adolescentes qui refusent de vieillir, se déguisent. On ne sait pas si c'est la fille ou la mère. Et les mecs, ils ont déjà des cheveux blancs. Oui, c'est vrai. Et on connaît bien l'expression « se faire des cheveux blancs ». Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un stress oui. invisible, mais immense. Et là, euh, y a, ça se voit physiquement. C'est est Ce intéressant. Euh, je dirais quand même aussi que les femmes cherchent toujours à cacher leur vieillesse parce que... Ah, non mais pas, pour, pas, pas pour que... Jeunesse, ouais. <laughs> pas que par narcissisme, mais parce que les hommes préfèrent les femmes jeunes. Alors qu'un homme âgé a quand même des chances de trouver une compagne. C'est plus facile pour un homme de 45 ans de trouver une compagne que pour une femme de 45 ans. Quand Écoute, même. J'ai été pendant trois mois sur Mythique. Ouais. Et tu me l'as parce... caché. Et tu ne me l'as pas dit. Ouais, je ne te l'ai pas dit, <laughs> j'avais oublié, tu vois. Mais c'était une expérience, parce qu'en en fait, elle a passé 4 mois en, en HP d'elle-même. Mmh. Et euh, pendant ce temps-là, je me disais. En fait, c'est toujours chercher la femme. Là, il parle de sa compagne actuelle ouais, ouais, qui est mais hors en champ. fait, il parle de la f... de elle avec un grand E en général. Et en fait, l'expérience mythique est assez. Euh... Alors, c'est un champ de mine. Hein. Un champ de. Oh, c'est horrible. En fait. À un moment, j'avais décidé, comment entrer en matière, quand tu as un contact, de, de parler de Dieu donné. Alors là, ça réduisait encore le champ de... ah, de, hein, de quoi Hein Bon. Ouais. Stop. D'accord. Voilà. Et ouais. en fait, ça n'a ça mené à rien. Et euh, en fait, les femmes, elles cherchent effectivement un, à ce stage là euh, Bon, elle sent s'agit parce que l'enfant n'est plus, plus en jeu. Mmh. Euh, elle cherche euh, en fait euh, un amusement. Oui, divertissement. Voilà. C'est intéressant c était, c était... cette façon de séduire son mythique. Il y a des gens qui font du. Euh, du, du, du des conversano, conversano quotes et Ils contactent la meuf, ils disent Est-ce que toi aussi tu en as plein le cul des Arabes <laughs> Et oh, si la meuf les dire. bloque, ben, c'était pas la bonne. C'est comme ça. Vous pouvez essayer chez vous pour voir si ça marche. <laughs> non, mais euh, tout, tout ça, c'est grotesque, effectivement. Mm. Et, et avec Florence, c'est ce toujours une belle rencontre parce qu'en fait, nous sommes enfin disponibles. Parce qu'en fait, la disponibilité, justement, c'est, en fait, de, aussi loin que je me rappelle dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours cherché. J'ai été déserteur dans l'âme. Mais avec quand même, au départ, j'avais quand même une bonne base. Euh, mes, mes parents étaient. Euh, je suis l'enfant de la réco euh, Je suis ER. Mm -hmm. Égalité, réconciliation. Euh, quoi et quoi bah, Entre eux deux, puisqu'ils se sont mariés deux fois. D'accord. <laughs> et entre les deux, il y a la guerre. Et, et c'était un fameux quiproquo. Et en fait, je suis né dans une bonne période. Dans. dans oh. Bah, c'était l'étrange glorieuse glorieuses et euh, tu vois on a découvert Carrefour. Finalement t'es es, es un vieux boomer. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire que es né au moment du baby boom et que t'as bien profité mon salaud, que les choses coûtaient pas cher, les jobs c'était facile à trouver, non, acheter mais une suppose, maison c'était pas cher on, comme on comme on aujourd'hui. ne même pas la question des objets parce qu'en fait on, on vivait dans un HLM. On... Mais mes parents tu vois cuisinaient. Déjà, c'était déjà une activité saine. Mmh. Et puis on allait au champ. Notre grand plaisir, c'était de retourner à la campagne, d'aller chercher des champignons. Et après, on allait dans un routier. Je me rappelle encore des bouchées à la reine. Mmh. C'était bien fait. Et tout ça, tu vois, c'est des... en fait, c'est le goût et savoir, c'est la même racine. C'est-à-dire que tu apprends ce que c'est qu'une bonne chose et tu le sens. Ouais. Et parce que mes parents étaient de la campagne, donc il y, y avait ses racines. Et euh, en fait, on a découvert Carrefour un jour. Mm -hmm. Et c'était à Chartres, on allait. Mm -hmm. Tu vois, de Suresnes à oh, Chartres, ouais. c'était le premier hyper. Et je me rappelle, on sort du truc et on regarde le, le, le caddie. Putain, on a acheté ça, nous mm -hmm. Et là, c'était ouais. la découverte de l'hyper-consommation. Acheter pas forcément de l'utile, mais du superflu aussi, quoi. Mais non, mais en fait, tu tu rentres là-dedans, c'est waouh, wow ouais. c'est accumulé, c'est. En fait, c'est le cinéma total. Ouais. Et puis tu te laisses. Euh... Ouais. Euh... Et ça, je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'était la première fois qu'on avait prise unique à l'époque. Ça commençait tout juste. Prise unique, c'était. Euh, ouais, euh, c'est euh, l'ancêtre euh, de Monoprix. Voilà. Et, 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 et carrefour euh, charte là c'était hyper oh là là, oh là. mais à part ça en fait on était les dans notre HLM, on était les premiers à voir la télévision mmh. et puis euh, en fait ma mère elle, elle, elle invitait tous les petits copains le jeudi après midi on mangeait des crêpes et on regardait je sais plus quoi mmh. et, et est, ça a toujours en fait ma mère euh, c'était <coughs> une bonne mère et c'est tellement triste ce qui lui est arrivé. C'est à chier, quoi. Euh, elle, elle était trop bonne. Euh, C'est horrible. horrible. On en parlera dans une autre émission, ouais. alors je te propose. Mais c'était une, une bonne mère. Et, et d'ailleurs, les petits copains me faisaient chier parce qu'ils disaient Toi, t'es un fils à maman. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ta mère, elle est gentille avec toi, mais, mais, mais peut-être pas la nôtre. Tandis que la tienne. C'était de la jalousie, finalement. Comme souvent. Ah, du ressentiment, en fait. c est, c est un... Tu peux pas le dire à l'époque, tu... parce que tu, tu es dedans, donc tu... Mais on te reprochait d'être heureux, en fait. Mm. D'ailleurs, on me dit souvent... Mais T'en as eu de la chance, Georges. Je dis, est-ce Est une menace <laughs> C'est sais, c'est... Ça, c'est toujours pareil, quand tu es plutôt quelqu'un qui a réussi ta vie, euh... bah, ou en tout, tout cas qui réussi, semble être heureux, hein. ça dérange. Euh... Finalement, les gens, tu, gens sont jaloux, c'est tout, c'est la base. Tu... Tu l'es sans le savoir puisque tu es dedans. Ça, ouais. euh, tu n'as pas encore grandi, ouais, c'est-à-dire tu n'as pas encore comparé. C'est ta façon d'être, ta décontraction blesse les gens qui eux ne le sont pas. C'est comme ça. ça je ça. sais, c'est ma vie aussi. Donc moi je suis comme ça. Ouais, j'ai jamais toi, eu fait, beaucoup tu... d'argent, mais j'ai toujours été heureux. Alors euh... voilà, tu... en fait, il y, y a ce, ce... alors c'est pas c'est pas jalousie, mais ils sentent que c'est pas normal. D'ailleurs, il y en a un qui me l'a dit à Montreuil. Il dit Mais il n'y a que vous qui chantez dans la rue. Je dis euh, Presque s'excuser. En hein. ben, tout, justement, la raison pour laquelle je t'apprécie, c'est que tu es quelqu'un qui, euh, qui rayonne, tu as beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tu fais moins que ton âge. Et ce qu'on prend pour de la folie, qui peut l'être en partie, c'est aussi simplement euh, une joie de vivre. Mais en fait, euh, la police, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit toujours. Euh, mais vous avez bu Mais je l'ai comme ça tout le et temps. Et j'ai encore entendu ici, il y, y a le copain de Gary qui dit A-t-il bu mm. J'ai dit Non, il ne faut pas confondre l'esprit et l'alcool. Mm. C'est très proche. Hein. D'ailleurs, on appelle ça spirit. Parce que c'est vrai que l'alcool, ça désigne, mais bon, jusqu'au point de paralysie. Mais, euh, c est c est... mais en fait, tu sais, euh, c'est bizarre à dire, mais en fait, quand j'ai rencontré Florence, j'ai pu admettre, alors je lui ai dit que je suis exceptionnel, voilà bon c'était après, mais au début je lui ai dit Enfin je réalise que je suis quelqu'un d'heureux. Mais c'est bizarre de, de pouvoir admettre ça à toi-même. Tu comprends hein. ouais. Et là, c'est là que tu as compris que tu as grandi. Parce que tu peux enfin exprimer, euh, dire, euh, en fait ce qui a toujours été évident, mais qui était trop, trop proche. Mmh. Et, et c'est ça en fait euh, le, le. Alors, c'est un problème vis-à-vis -vis du social parce que afficher ça, c'est. C'est mal vu. C'est terrible. Si vous l'êtes bien vu, surtout en France, faites la gueule. Voilà le conseil qu'on vous donnera à la fin de cette émission. On doit rester là pour des raisons techniques. Je reviendrai, crois-moi. Euh, je donnerai un contact euh, dans la description pour les personnes qui veulent euh, soit te rencontrer, soit s'installer euh, dans cette mmh. ville et avoir quelques tuyaux. Mmh. Merci à toi, Georges. À très voilà. bientôt. On attend tes vidéos, on attend ta, ta chaîne YouTube que oui, tu veux sortir. Ça, je vais construire une... Au bout de cette maison, je vais construire une salle de lumière. C'est-à-dire ouvert de tous les côtés, c'est à l'est. Le matin, il fait, pas... il fait chaud déjà parce qu'il y a le soleil. Et le soir, il fait pas trop chaud parce qu'ici, il fait chaud. Oui, donc je disais que tu vas, tu vas faire une chaîne YouTube. Ça fait deux ans que tu me la promets, c'est d'aller toujours pas arrivée. Alors qu'est-ce qui se passe Oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis numériquement euh, vierge et, et nulle, et que j'ai acheté là, un smartphone, euh, le top Huawei euh, P30 Pro. Et euh, tout ça, pour moi, c'est euh, terre vierge, c'est euh, terre inconnue. Ouais. Donc, euh, faut ouais. il faut que je m'y mette. Il faut que j'ai du, déjà du. Ben, il y a du tutoriel partout, je suppose. Ouais. Mais bon, euh, Eric, lui, il est, il est très au courant parce qu'il fait du, du YouTube depuis longtemps. Et euh, donc. Euh, et puis là, là, je vais pas avoir de disruption. De, de disruption de... là je vais pouvoir me concentrer ouais. complètement ouais. et en oubliant le reste donc euh... c'est important d'être là justement dans un endroit paisible où il n'y a pas à se prendre la tête avec des tas de choses ouais. voilà vous n'avez pas fini d'entendre parler de Georges non, euh, non mais en fait je veux pas f... je veux pas spécialement faire parler de moi ouais. je veux juste euh, euh... donc si tu veux survivre longtemps sur Youtube évite de trop parler de circoncision huitième 8 jour je sais que c'est ton oui c'est un sujet Trégale. très sensible <laughs> oui, extrêmement sensible mais euh, on, y, on y viendra euh, on, on, on en parlera naturellement euh, mais c'est en fait euh, je vais mourir ici ah oui Comme dit tu l'as décidé. j'ai acheté ma concession au cimetière ça doit être quelque chose comme 15 euros. Ouais. Euh, euh, bon, non mais en fait, euh, c'est en fait c'est la fin et le commencement en même temps parce que on est aux portes d'une autre civilisation. Donc là, il y a du boulot, il y a il y a des découvertes à faire et j'ai l'intention, bien sûr, d'aller en Russie. Et mm -hmm. Si si avant ils viennent pas chez nous. En tout cas, ça coûte pas cher de mourir et de faire entrer en Bulgarie. <laughs> on c'est <laughs> c'est une euh, c'est un plaisir. Non, non, c'est vraiment... C'est ça, parce que tout est simple. Donc, tu... Voilà, il euh, n'y a plus de concessions, toutes ces conneries. Sans concession d'ailleurs. <laughs> Allez, les amis, merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Vive l'Europe. Vive la France aussi, ce qu'il en reste. Vive la Bulgarie. Vive les Européens. À bientôt, Georges. Et à bientôt.